Et bienvenue à l'événement d'aujourd'hui de Exploring the Seat of Your Pets. Je m'appelle Alexandra et je serai votre hôte aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Ça va te faire très plaisir de partir avec vous à l'aventure et d'aller rencontrer des experts de Parc Canada pour parler du feu aujourd'hui. On se demande si le feu est un ami ou un ennemi et on va aller en compagnie de Marianne pour discuter du rôle important du feu dans le paysage naturel des parcs nationaux des montagnes et comment Parc Canada gère et utilise le feu afin de protéger nos parcs nationaux et d'améliorer l'habitat de divers animaux sauvages, des petits et des grands. Bonjour Marianne! Bonjour, bonjour, comment ça va? Super, et toi? Nickel, je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui avec tout le monde. Génial. Alors, pour comme expliquer un petit peu à tout le monde ce qui va se passer, on va d'abord avoir une présentation, puis après, on va jouer à Kahoot. Alors, j'espère que vous êtes prêts avec votre téléphone ou avec votre tablette ou votre ordinateur pour pouvoir jouer à Kahoot. Puis après, vous aurez le temps de poser plein de questions à Marianne. Et si vous avez des questions, mettez dans le chat, on y répondra tantôt. Voilà, à toi Marianne. Merci encore une fois. Alors, bonjour tout le monde et encore une grande merci de vous être joindre à moi pour cette séance virtuelle. Comme Alex vous avait dit, je m'appelle Marianne et je travaille à Parc Canada comme pédagogue pour le Parc national Banff. Alors, voici une magnifique photo du Parc national Banff. Mon travail, c'est d'enseigner aux gens le rôle important du feu dans notre écosystème. Alors aujourd'hui, on va commencer par une activité amusante. Je voudrais savoir ce qui vous vient à l'esprit quand on parle du feu. Pour nous aider, je vais vous montrer une vidéo sur le feu. Ensuite, j'aimerais que vous m'écriviez un petit message dans la boîte de discussion. Alors. Pour l'instant, je vois pas de réponse, mais moi j'ai chaud en tout cas. J'entends, oui, chaud. Oui, c'est un bon mot. Flamme, peut-être. Peut-être on pense aux flammes. La fumée. Fumée. Oui. Oui, je vois chaud aussi. Je vois un autre mot qui en dit chaud. Ah, des bons mots. Alors, si vous avez mis des mots comme « chaud » ou comme « flamme », bien sûr, on pense souvent de ça. Des fois, on pense aussi « destruction » ou « effrayant ». Et je veux vous dire que c'est tout à fait normal de penser de ces choses au sujet du feu, surtout si vous vivez dans une région où il y a des incendies. Quand le feu atteint des endroits habités, il peut avoir des effets dévastateurs. On peut facilement comprendre qu'il y a des personnes qui craignent le feu, qui ont peur. Mais avant la création des villes et des routes, le feu est une partie naturelle de la vie dans les montagnes, une partie importante de l'écosystème. Le feu peut être essentiel pour fournir des sources de nourriture et un habitat aux animaux sauvages. Et plus tard, on va apprendre comment Parc Canada utilise le feu de façon sécuritaire pour aider ces animaux. Mais avant que Parc Canada commence à utiliser le feu, les peuples autochtones qui ont été les premiers à vivre sur ce territoire servaient du feu pour toutes sortes de choses. Par exemple, pour créer des sentiers, pour l'agriculture, pour attirer certains animaux et pour d'autres raisons culturelles. Un grand nombre de nations utilisent encore le feu sur des terres qui se trouvent près des parcs nationaux des montagnes. Alors, avant d'aller plus loin, prenons quelques instants pour reconnaître respectueusement que le parc national Banff se trouve dans le territoire actuel des Premières Nations signataires des traités numéro 6, 7 et 8, ainsi que sur le sol natal de la nation Métis. Depuis des milliers d'années, les terres et les eaux du parc sont utilisées par les peuples autochtones pour leur subsistance, leurs cérémonies et leurs déplacements. Je suis très reconnaissante chaque jour d'avoir l'honneur de vivre et de travailler sur ce territoire. Pour bien comprendre le rôle du feu dans les parcs des montagnes, il faut connaître un peu aussi son histoire. Comme j'ai dit, les peuples autochtones utilisaient le feu pour toutes sortes de raisons et ils comprenaient que c'était un processus naturel. Mais quand les pionniers européens se sont installés dans les Rocheuses et qu'ils ont commencé à construire des villes, ils n'étaient pas comme les peuples autochtones, ils avaient peur du feu. Non seulement le feu était effrayant, mais il représentait aussi une menace pour la vie et les biens. Pour cette raison, chaque fois qu'un feu se déclenchait dans la forêt, les pionniers travaillaient très fort pour l'éteindre avant qu'il ne devienne trop gros et trop menaçant.
À cause de ce malentendu et de leur peur du feu, les pionniers éteignaient toujours les incendies sans leur permettre de brûler. Alors, pendant plus de 100 ans, le feu a été absent de nos forêts. Avec le temps, cette absence a fini par causer des problèmes parce que les bonnes choses qui nous donnent le feu avaient disparu aussi. C'est simple. C'est comme si on avait un casse-tête et qu'il nous en manquait un morceau. Sans le cycle des feux, l'écosystème était en mauvaise santé et incomplet. Sans le feu, les vieux arbres ont commencé à s'accumuler et les plantes sont mises à pousser tout près les unes des autres. C'est une situation dangereuse parce que les feux peuvent s'allumer plus facilement et se propager plus vite dans une forêt dense. Ces vieux arbres qui poussent tout près les uns des autres créent aussi beaucoup d'ombre. Alors, il n'y a pas beaucoup de différentes sortes de plantes et d'arbres qui peuvent pousser. Et ce manque de variété n'est pas bon pour la santé de l'écosystème. Il faut quand même dire que les forêts denses remplies de vieux arbres sont des habitats importants pour certains animaux, mais elles deviennent un problème quand il n'y a qu'une sorte d'habitat. Jetons un coup d'œil à une photo du parc national Banff. C'est le parc tel qu'il est aujourd'hui. Dans la boîte que j'ai dessinée, vous pouvez voir une forêt vert foncé dans le fond de la vallée. Tous les arbres ont l'air d'être de la même espèce, de la même taille et peut-être du même âge, et ils poussent assez les uns contre les autres. Croyez-le ou non, ce n'est pas naturel. C'est le genre de forêt qu'on obtient quand on empêche le feu de brûler. Maintenant, on va regarder cette deuxième photo. C'est exactement la même vue sur le parc national Banff, mais 100 ans plus tôt. Est-ce que vous pouvez voir la différence? Si vous avez dit que la forêt s'est plus dégagée, vous avez raison. C'est plus ensoleillé, il y a seulement de petites sections où elle est dense et vieille. En fait, il y a un pré ou une prairie dans la vallée. Voici ce qui arrive quand on permet aux incendies naturels de brûler dans la forêt. Comme je l'ai dit, le feu est un morceau essentiel du casse-tête pour notre écosystème. Les incendies sont importants parce qu'ils débarrassent la forêt de tout ce qui est vieux et mort et qu'ils donnent naissance à du nouveau. Le feu, c'est un peu comme Dame Nature qui fait son ménage du printemps. Tous les 50 à 100 ans, dans le fond des vallées, la forêt devient vieille et remplie d'épinettes, de pins tordus et de débris de plantes mortes qui sont éparpillés sur le sol. Alors, quand une étincelle s'allume et qu'un incendie se déclenche, il débarrasse le sol de tous les débris morts. Après, il reste une mosaïque qui comprend différents types d'habitats, comme une forêt claire qui permet à la lumière du soleil d'atteindre le sol. Tous les débris morts sont brûlés et se décomposent. Les nutriments sont recyclés et retournent dans la terre, enrichis de toute cette belle lumière du soleil pour permettre à de nouvelles plantes de pousser. Et ces nouvelles plantes donnent à manger un grand nombre d'animaux. Je vous ai déjà dit que je travaille pour Parc Canada. Et vous vous demandez peut-être quel genre de travail fait Parc Canada et quel est le lien entre notre travail et le feu. À Parc Canada, on travaille à protéger et à célébrer le patrimoine naturel et culturel aux quatre coins du pays. Ce que ça veut dire, c'est qu'on travaille à protéger les animaux, les plantes, les paysages, et les lieux historiques. En plus de protéger ces aires naturelles, on en parle avec des personnes comme vous, comme je le fais en ce moment. Alors, Parc Canada protège 48 parcs nationaux, d'un bout à l'autre du pays. Avez-vous déjà visité un parc national? Si oui, quel parc avez-vous visité? Vous pouvez le mettre dans la boîte de discussion. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai visité, je pense, plusieurs dans les montagnes, bien sûr. Wow! Mais quelqu'un a dit qu'il était déjà allé... à Banff, tantôt. Ah, à Banff. Juste en face de Fauréon, mais c'est vraiment loin de chez vous, là. Moi, c'est au Québec, là. Mais juste en face de Fauréon. Je le vois depuis... Je vois Instagram. Grand-Morne. Grand-Morne, yeah. Jasper. Jasper, Banff, Elk Island, Kloani. Ouh, oh, c'est super. Cool. On a des amis qui ont visité beaucoup de parcs. Waterton, excellent. Beaucoup, vous avez visité les parcs des montagnes aussi. Alors, j'allais demander si quelqu'un peut deviner où est le parc national Banff, mais je pense que certains, ils savent déjà. Alors, voilà, juste ici. Le parc national Banff se trouve dans les Rocheuses de l'Alberta, à environ 1h30 de route à l'ouest de la ville de Calgary. Et maintenant, on va regarder un peu de plus près les parcs des montagnes. Ils se trouvent en l'Alberta et la Colombie-Britannique.
Il y a au Canada 5 parcs nationaux qui protègent les Rocheuses et 2 qui protègent la chaîne Columbia. Et participent tous à l'excellente série Sommet de la Découverte. Je vais vous montrer où chacun de ces parcs se trouve sur la carte. Alors, commençons bien sûr à Banff, c'est là où je me trouve, en Alberta. Toujours en Alberta, il y a aussi le parc national Jasper et le parc national des lacs Waterton. Du côté de la Colombie-Britannique, on trouve le parc national Yoho, le parc national Kootenay, le parc national du Mont Revelstoke et le parc national des glaciers. Je ne suis peut-être pas tout à fait objective, je le sais, parce que je vis ici, mais je crois que les montagnes et les rocheuses sont un vrai trésor. Elles abritent toutes sortes d'animaux, comme des ours, des bisons, des mouflons d'Amérique, des caribous, des cougars, des loups et aussi des petites bêtes comme des salamandres ou des pikas. Et le feu est un outil important qu'on utilise pour protéger ces différents animaux et leur créer un endroit sécuritaire et idéal où ils peuvent vivre. Au début des années 1980, Parc Canada a reconnu que si on excluait le feu, on créait en réalité plus de problèmes. C'est là qu'est né notre programme de brûlage dirigé. On a réalisé notre premier brûlage en 1983 et on continue d'en réaliser d'autres depuis. Qu'est-ce que ça veut dire, un brûlage dirigé? Bon, c'est un feu qu'on allume par exprès, mais dans des conditions très contrôlées. Parc Canada peut compter sur des spécialistes du feu qui ont reçu une formation avancée pour planifier et réaliser des brûlages dirigés. Ils doivent suivre des règles précises pour déterminer où le feu sera allumé et dans quelles conditions. Par exemple, ils doivent réfléchir à tout ce qui doit être fait pour que le feu reste sécuritaire et qu'il produise les bons résultats. Ils doivent réfléchir à des choses comme la météo, les plantes et le paysage qui entoure l'endroit à brûler. Réaliser un brûlage dirigé, ce n'est pas aussi simple que d'allumer une allumette et de mettre le feu à la forêt. Ça serait très, très dangereux et l'incendie serait difficile à maîtriser. On ne veut surtout pas que les gens se mettent à faire des brûlages eux-mêmes. Il y a seulement les experts qui devraient allumer ces feux. Alors, prenez quelques instants pour réfléchir à une de vos visites chez le médecin. Le médecin vous a examiné et vous a posé quelques questions pour trouver ce qui vous rendait malade. Il a ensuite préparé un plan pour vous aider à guérir. Les médecins prescrivent généralement des remèdes et vous disent quand et combien de fois vous devez les prendre. Les brûlages dirigés ressemblent beaucoup aux visites chez le médecin, mais pour la forêt. Nos spécialistes du feu veulent aider la forêt à être en meilleure santé et ils l'examinent pour trouver où est le problème. Ensuite, ils préparent un plan pour un brûlage dirigé, soigneusement réalisé. Et en précisant où et quand et comment brûler. Si le feu est utilisé de façon très soigneuse, après beaucoup de planification et de recherche, il peut aider la forêt à redevenir en meilleure santé. Tout comme quand une personne prend les remèdes qui lui prescrit le médecin. Mais je dois avouer que certains des outils qu'on utilise pour réaliser des brûlages dirigés sont beaucoup plus cool que les remèdes prescrits par les médecins. Nos spécialistes du feu utilisent des outils comme des lance-flammes, des dispositifs d'allumage aérien, des systèmes d'allumage à partir d'un hélicoptère. Mais même si tout ça est vraiment génial, le feu peut être très dangereux. Il faut beaucoup de recherche et de planification pour préparer un plan de brûlage dirigé. Il faut que les conditions soient parfaites avant qu'on puisse allumer le feu. C'est toujours bien plus compliqué que de simplement jeter une allumette par terre. Et même si on réalise des brûlages dirigés, il y a parfois des incendies qui se déclenchent dans les parcs nationaux des montagnes. Quand ces feux sont déclenchés de façon naturelle, habituellement par la foudre, on peut soit les laisser brûler, soit demander à nos équipes de pompiers de les éteindre pour assurer la sécurité du public. Il est important de connaître la différence entre un feu de haute intensité et un feu de faible intensité. Les feux de haute intensité sont souvent des incendies. Ils brûlent de façon intense et peuvent tout détruire sur leur passage. Du coup, un grand nombre de nutriments ne retournent pas dans le sol. Quand on réalise des brûlages dirigés, on contrôle le feu et on crée un feu de faible intensité.
C'est beaucoup mieux pour l'environnement et les nutriments nécessaires aux nouvelles pousses sont préservés. La photo que vous voyez à l'écran vous montre le chêne en sawback dans le parc national Banff. Cette chaîne de montagne a subi plusieurs brûlages dirigés. En regardant l'image, pouvez-vous deviner combien de brûlages dirigés on a réalisé dans ce secteur? Je vous donne quelques instants pour bien regarder la photo et puis je vous donne 3 choix. Alors, pensez-vous que le chêne en sawback a été brûlé 2 fois, 5 fois ou 11 fois? Eh, c'est pas facile comme question. J'ai un doute. Les gens, ils disent 2, 11. Moi, je suis pas sûre, là. J'allais dire 2, mais... Quelqu'un me dit 5 aussi. Alors, allons voir. En fait, ce secteur a été brûlé 11 fois depuis 1984. 11 fois. Les brûlages ont été faits sur ce qu'on appelle des parcelles ou des blocs. Les brûlages dirigés du chêne en sawback nous ont aidés à réparer l'habitat des animaux sauvages du parc national Banff. En faisant brûler un grand nombre de vieux arbres qui poussent tout près les uns des autres, on a réussi à créer un pré où les plantes qui aiment le soleil peuvent pousser. Les brûlages dirigés ont été bénéfiques à différentes plantes comme l'herbe, la chefferdie du Canada, le Douglas vert et le pin à écorce blanche, qui est une espèce menacée. Le but des brûlages dirigés dans ce secteur, c'était de créer des prés. Les prés sont de très bons habitats pour les grizzlies, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et pour pouvoir créer un pré, il faut qu'on fasse brûler à plusieurs reprises, parce que après le passage du feu dans la forêt, certains arbres libèrent leurs graines. Ces graines tombent sur le sol nouvellement dégagé et de tout petits arbres commencent à pousser. Pour que la parcelle brûlée reste dégagée et pour éviter que d'autres arbres se mettent à pousser, il fallait la brûler plusieurs fois de plus. Et les parcelles fraîchement brûlées attirent des animaux sauvages qui viennent se nourrir de nouvelles pousses. Les ours en particulier adorent mâcher des plantes qui se poussent bien au soleil. Un fruit, notamment, forme une énorme partie du régime alimentaire des ours à la fin de l'été. C'est le fruit de la chefferdie du Canada. Ce petit fruit est essentiel à la survie des ours parce qu'il contient beaucoup de calories qui les aident à avoir l'estomac bien rempli pour l'hiver. Alors, pour les classes qui regardent maintenant, imaginez que vous êtes un ours affamé et que vous vous préparez pour l'hiver. Pouvez-vous deviner combien de petits fruits vous pourriez manger dans une seule journée? Je vous donne des choix. 500, 1000 ou 250 000. Ouf! Et ça en fait une belle quantité tout ça, dis donc. Moi, je pourrais pas, je serais malade. Moi aussi, je n'ai pas un estomac grand comme un ours. Deux personnes ont dit 1000. Beaucoup ont dit la réponse C, fait que 250 000. Et ça en fait, hein, des petits fruits. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse? Si vous avez choisi 250 000, bravo! Ça, c'est beaucoup de petits fruits. Ce serait le même nombre de calories qu'on obtiendrait si on mangeait 65 hamburgers par jour. Ça, c'est beaucoup trop pour moi, je vous le dis maintenant. Parce que ces fruits sont essentiels pour leur survie, les ours tolèrent beaucoup de choses pour pouvoir les manger. La chefferdie du Canada, comme un grand nombre d'autres plantes que les ours aiment manger, pousse d'habitude dans des endroits ensoleillés. Ces endroits se trouvent souvent le long des sentiers, près de la voie ferrée et au bord de la route. Et c'est mauvaise pour les ours parce qu'ils courent le risque d'être blessés par des voitures ou des trains ou encore de se mettre dans le pétrin en mangeant de la nourriture destinée aux humains. On peut les aider en utilisant le feu pour créer des prés et des endroits moins dangereux où ils peuvent trouver de la nourriture. Je vais maintenant vous donner des exemples qui montrent que le feu apporte beaucoup d'avantages à d'autres animaux sauvages dans les parcs des montagnes. Comme vous le savez déjà, chaque animal a besoin de quelque chose de différent. Alors, notre façon d'utiliser le feu peut changer en fonction des besoins de chacun. Passons maintenant au côté, du côté de la Colombie-Britannique pour quelques instants. Le long de la limite sud du parc national Kootenay, il y a une étendue de prairies et de forêts claires. Une forêt claire, c'est une forêt où les arbres ne poussent pas vraiment près les uns des autres. C'est le genre de forêt où le mouflon d'Amérique aime vivre. Le mouflon d'Amérique est considéré comme une espèce en péril en Colombie-Britannique.
Alors, Parc Canada travaille fort pour l'aider à survivre. On utilise les brûlages dirigés pour rétablir la prairie où elle aime vivre. Quand les pionniers se sont installés sur les terres qui se trouvent à l'intérieur et autour du Parc national Kootenay, le paysage a commencé à changer. Vous souvenez-vous? Je vous ai dit que les pionniers ne laissaient pas les feux brûler. Ce qui s'est produit, c'est que les prairies où les mouflons sont à l'aise ont été envahies par les arbres. À partir de 2001, Parc Canada a commencé à utiliser les brûlages dirigés pour rétablir les prairies et les forêts claires naturelles qu'il y avait autrefois dans le parc. La parcelle qu'on vient de remettre en état est un environnement idéal pour les mouflons d'Amérique. Il y a beaucoup d'herbes et juste quelques arbres ici et là pour les protéger contre le mauvais temps. Il y a aussi beaucoup d'étendues dégagées où les mouflons peuvent voir venir les prédateurs. Et ça leur permet de leur échapper en fuyant vers les falaises voisines. Ouh, je suis allée trop vite. Notre équipe continue de surveiller les mouflons du parc national Kootenay avec des caméras et des outils de suivi. On peut voir que, grâce à cette prairie nouvellement recréée, les mouflons vont beaucoup mieux. Maintenant, on va jeter un coup d'œil à un autre parc des montagnes. Et c'est le parc national des lacs Waterton. Là-bas, ils utilisent aussi les brûlages dirigés pour rétablir une prairie. La fétique est une herbe spéciale qui pousse dans le parc et c'est un bon aliment pour les animaux, surtout parce qu'elle leur permet de survivre au long mois d'hiver. Cette herbe est une source de nourriture importante pour les wapitis qui passent l'hiver dans le parc. Parce que les incendies naturels ne pouvaient pas brûler, un grand nombre d'arbres comme le tremble et le conifère ont fini avec le temps par prendre toute la place. Mais depuis 2011, Parc Canada a réalisé 20 brûlages dirigés pour rétablir la prairie de fétuc dans le parc national des lacs Waterton. Les animaux sauvages ont besoin d'une communauté de plantes variées et en santé. Maintenant, on fait un saut, et hop, jusque dans le parc national Jasper. Le caribou est classé comme espèce en voie de disparition au Canada, alors on veut vraiment trouver des moyens de l'aider. C'est pour cette raison que Parc Canada établit des plans de brûlage dirigés adaptés aux caribous. On protège les caribous en faisant brûler des parcelles qui se trouvent loin de leur habitat. Ces parcelles nouvellement brûlées attirent les prédateurs. Comme ça, les prédateurs se tiennent loin de l'habitat du caribou. Alors, avant qu'on retourne vers le Parc national Banff, j'aimerais voir si vous vous souvenez comment le feu peut aider les animaux dans les montagnes. Alors, pouvez-vous deviner quel animal préfère quel habitat? Laissez-moi savoir dans la boîte de discussion. Hey, il faut... C'est comme un puzzle, il faut remettre les bonnes personnes au bon endroit, les bons animaux au bon endroit. Oui, absolument. Alors, les ours, est-ce qu'ils préfèrent les prairies de fétuc, les prairies et les forêts claires ou les prés avec les chefferdis du Canada? Même chose avec le wapiti et le mouflon d'Amérique. En tout cas, maintenant, on sait que l'ours, il mange beaucoup de petits fruits. Ça, c'est un indice. C'est ça, plus de personnes, ils ont dit comme moi que l'ours, c'est le C, parce qu'il est petit fruit. Oui. Et le wapiti, qu'est-ce que le wapiti préfère? Ah ben là, les gens ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent A, il y en a qui disent B. Ah, peut-être, on va voir. Et mouflon d'Amérique? Mouflon d'Amérique, qui était, on parlait du parc national Kootenay. Je vois certaines classes qui mettent leurs idées dans la boîte de discussion. Le mouflon, ouais, les gens ils sont pas sûrs pour le mouflon et le wapiti, c'est un débat un peu là. D'accord. On va commencer avec les ours. En premier, les ours. Le feu aide à créer des prés où on trouve la chefferdie du Canada et d'autres plantes qui aiment le soleil. Les ours adorent manger ces plantes. Alors, je pense que la plupart de nos classes, bien fait, vous avez deviné. Ah, le wapiti en deuxième. Les brûlages dirigés ont encouragé la croissance des prairies de fétuc au parc national de Lac Waterton. Les wapitis en profitent pour manger pendant l'hiver. Et le mouflon d'Amérique. Finalement, au parc national Kootenay, le feu aide à rétablir les prairies et les forêts claires où les mouflons d'Amérique adorent vivre. Alors, bien fait à toutes nos classes pour participer. Merci beaucoup. Et maintenant, on va retourner finalement vers Banff. On a beaucoup parlé des gros animaux qui sont très intéressants. J'adore les ours et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des petites bêtes comme les salamandres, par exemple? La salamandre à longue doigt est un petit animal, pas mal génial, qui est inscrit comme espèce sensible sur les listes du gouvernement de l'Alberta.
En 2014, on a réalisé notre 11e brûlage dirigé dans le chaînon sans bac, vous vous souvenez, dans le parc national Banff. Après tous ces brûlages, un grand nombre de racines d'arbres étaient brûlées et pourries. C'est absolument parfait pour les salamandres qui adorent trouver des trous où elles peuvent hiberner. Le chaînon sans bac était rempli d'endroits où elles pouvaient vivre. En fait, on a vu une importante hausse du nombre de salamandres dans ce secteur, à tel point qu'à chaque printemps, il faut rappeler aux visiteurs de faire attention aux salamandres qui traversent la route. 20 km par heure. Alors, comme on l'a vu, le feu est important pour toutes sortes d'animaux sauvages. Il peut aider à créer différents types d'habitats et différentes sources de nourriture pour la faune. Dans tous les parcs nationaux des montagnes, Parc Canada planifie des brûlages dirigés et travaille avec le feu pour que ses trésors restent en bonne santé. Chaque fois qu'on travaille avec le feu, on le fait de façon soigneuse et bien planifiée. Et on exécute les brûlages dirigés avec prudence pour que tout le monde reste en sécurité. Avant de finir, j'aimerais que vous pensiez des choses que vous avez apprises à propos du feu. Quel mot vous vient à l'esprit maintenant quand je prononce le mot feu? Je vais vous montrer de nouveau la vidéo de tout à l'heure et je veux savoir si votre opinion a changé. Alors, je donne une chance à des gens de répondre. Est-ce que votre opinion a changé au sujet du feu? Je sais que c'est vraiment chaud. Vas-y. Je pense que c'est toujours chaud. Je pense que tout le monde a raison. Que, oui, c'est toujours chaud. Mais maintenant, je sais que c'est utile aussi. Absolument. Oui, quand j'étais petite, moi aussi, j'avais peur du feu. Je pense que c'était dangereux. Mais après avoir travaillé avec Parc Canada, j'ai appris beaucoup de choses au sujet du feu que ça peut aider. Quand il manque un morceau de notre parc, par exemple le cycle des feux, les autres processus et les autres espèces en souffrent. Alors, je vous demande de nous aider à transmettre la nouvelle et parler de l'importance des brûlages dirigés à vos amis et à votre famille. J'espère que tout le monde vous avez eu du plaisir, que vous avez appris beaucoup de nouvelles choses et que vous êtes maintenant mieux renseignés sur le rôle important que joue le feu dans notre écosystème. Merci encore une fois et c'est tout pour la présentation pour aujourd'hui. Super! Merci beaucoup, Marianne. J'ai tellement appris de choses, puis c'était vraiment intéressant. Puis maintenant, j'ai moins peur du feu. Je crois que c'était juste mauvais, que ça détruisait tout. Mais en fait, quand c'est bien fait, ça peut être cool et ça peut être vraiment utile. C'est super. Mais tantôt, je me suis trompée. En fait, il n'y a pas de quiz aujourd'hui. C'était la semaine dernière. J'étais comme bien trop excitée. Je m'excuse, mais on va aller directement à la période de questions. Fait que les classes qui sont avec nous aujourd'hui, elles vont pouvoir poser leurs questions. Puis dans le chat sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre aussi, puis je vais pouvoir les lire pour les poser à Marianne. Puis il n'y a pas de mauvaises questions, alors n'hésitez pas. Puis Marianne, elle connaît plein de choses sur plein de trucs. Elle est full bonne. Fait que n'hésitez pas avec des questions sur le parc. C'est vraiment cool de savoir aussi où elle travaille. Elle a toujours plein d'anecdotes et d'histoires à raconter, vraiment cool. Alors, on va voir si les classes sont prêtes. Est-ce que la classe de Madame Bridgen aura une question à poser par hasard? Allô, Winsor! Allô, est-ce que vous dites bonjour? On n'a pas vraiment de questions aujourd'hui. Tout était vraiment clair, puis je pense que les élèves comprennent vraiment bien c'est quoi l'utilité de tout cela, puis c'est beau, c'est juste content d'être en ligne encore. Super, c'est vraiment cool de vous voir, merci! Après, on va demander à la classe de Madame Chantal s'ils ont une question. Non, mais on dirait qu'ils n'ont pas de questions. En tout cas, j'entends personne. Tout va bien. Oh, tout va bien. Super, ok. Merci beaucoup. Alors, on dirait qu'à Cedarview, ils ont une question. Est-ce qu'on pourrait aller voir la classe de Madame Victoria, je pense? Oui. Allô? On a juste une petite question ici de Jocelyn. Vas-y, Jocelyn, tu peux poser? Mon question est, combien de feux est-ce que tu as vu, like, in person? En personne, combien de feux est-ce que tu as vu dans ta vie? Dans ma vie? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai grandi sur des devants couverts, alors
surtout les dernières 5, 6, 7 ans, j'ai vu quelques feux là-bas. Et ici, j'en ai vu deux, je pense. J'ai aussi une amie ici avec moi, Amélie, qui a beaucoup d'expérience avec le feu. Alors, je vais aussi lui demander si elle a vu aussi des feux. Bonjour, Amélie. Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Amélie et je travaille avec Marianne et je travaille avec l'équipe de gestion des incendies à Parc Canada. Et moi, j'ai vu, je vous dirais, dans les derniers 5 ans environ... j'ai vu un feu qui était un incendie, et puis j'ai vu 3 feux qui étaient des brûlages dirigés et qui étaient faits dans des conditions contrôlées. Alors, mais j'ai vu ici un gros incendie au début des années 2000 à Jasper, un gros incendie qui avait brûlé presque tout l'été. Et puis, qui avait, malgré avoir brûlé tout l'été et un peu hors contrôle, avait régénéré beaucoup, beaucoup l'habitat ici à Jasper. Oh, wow! C'est super intéressant et c'est impressionnant. Oh. Oui, c'est très impressionnant. C'est un peu épeurant, mais quand on sait que le feu a des effets très bénéfiques, on est aussi content de voir qu'il est de l'autre côté des montagnes et loin, et on est content qu'il puisse brûler et régénérer l'habitat des animaux et des plantes. Super, merci beaucoup Amélie. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va avoir une question de la classe de Madame Oster. Allô? Mon question c'est quoi le plus grand feu que Alberta ou le Colombie-Britannique que tu sais de? C'est pour... Alors, quel est le plus grand feu? Oui. Le plus grand feu de ce que je sache. Ben, je sais que l'été dernier, on a eu beaucoup, beaucoup de feux en Colombie-Britannique. Alors là, c'était des feux très grands. Au parc national Jasper, je sais qu'il y avait un feu près du lac Medicine qui était assez grand aussi. Mais pour le plus grand, je n'ai pas les numéros, mais je peux peut-être le chercher, sauf si Amélie, tu sais. Oui, j'essayais de penser. Je pense qu'en Alberta, ça serait probablement dans le parc national Wood Buffalo qui aurait eu un des plus gros feux, ou peut-être dans le coin dans le feu de Fort McMurray en Alberta. Puis en Colombie-Britannique, je dirais que c'est définitivement les feux, probablement les feux de l'année passée, mais il faudrait vérifier. On pourrait vous revenir là-dessus pour avoir une information précise. Je propose qu'on mette les questions dans le Padlet. Oui, d'accord. J'ai dit directement. Et puis comme ça, oui. Vous allez pouvoir checker votre bord parce que c'est vrai que c'est une question quand même très précise, fait qu'on va avoir la bonne réponse. Oui, il y a des parcs nationaux, il y a des parcs provinciaux, et puis ça dépend tout le temps aussi des années. Ben, c'est ça. Puis il y en a quand même beaucoup aussi. Hein. Mais justement, je pense que j'ai posé une question dans le chat parce que ça se rapporte par rapport à ça. Quelqu'un demandait s'il y a des tels feux qui sont faits, pas juste dans les parcs nationaux. Les brûlages dirigés? Oui, absolument. Les parcs provinciaux, c'est-à-dire que les gouvernements provinciaux aussi de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, eux aussi font des brûlages dirigés. Maintenant, c'est une méthode reconnue pour régénérer l'habitat et les écosystèmes. Et c'est une méthode qu'on essaie vraiment d'informer les gens pour que tout le monde soit à l'aise avec le fait qu'on fasse des brûlages dirigés parce que c'est vraiment la meilleure méthode pour régénérer l'habitat. Super. Oui. On va voir si la classe de Madame Breton ou Madame Brudage aura des questions. Bonjour Madame Le Breton. Bonjour, ça va? Bien et vous? Oui, ça va, merci. On a eu des problèmes techniques, les élèves n'ont pas accès au Padlet ou au chat ou à quoi que ce soit pour faire poser des questions. Je mets le lien dans le chat pour eux dans le Google Classroom, mais ça ne rentre pas. Une question que j'avais, c'est... Mais allez-y. Est-ce qu'il y a des nouveaux feux en Colombie-Britannique? Je ne sais pas, Garrett, est-ce que tu peux expliquer ta question un peu plus, s'il te plaît? Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux feux en ce moment, peut-être? J'attends, il va me répondre. Garrett, vas-y. Il parle des feux qu'on a eu en Colombie-Britannique l'année dernière. Alors, quelle est la possibilité d'avoir des nouveaux feux comme ça cette année? Ben... C'est bien possible parce que avec les étés qui deviennent beaucoup plus secs, le danger et le fait que pendant
à peu près 100 ans, on n'a pas laissé les feux brûler. C'est bien possible qu'on ait encore des incendies qui se déclenchent à cause de la foudre après les tempêtes. Et malheureusement aussi, c'est les humains qui peuvent déclencher des incendies par accident avec les cigarettes ou si on n'éteint pas notre feu de camp d'une manière bien faite. Alors, c'est bien possible qu'on aura des nouveaux feux, mais on veut aussi être prêt et on fait de notre mieux d'éviter des grands désastres comme cela. C'est sûr que ceux de l'été dernier étaient vraiment impressionnants puis vraiment dangereux. C'était quand même des gros, on espère qu'il n'y aura pas trop des comme ça quand même. Je pense que la classe de Madame Brindage avait une question. On va les accueillir. Allô? Vous êtes sur mute encore? Oui, super. Quel était le plus petit feu que tu as vu? Le plus petit? Le plus petit? Le feu de camp que j'ai fait l'autre jour, il faisait très froid et il y avait de la neige, alors ça a fondu la glace et a éteint le feu. Il y avait près de chez moi, il y a quelques années, un petit feu qui a été éteint presque très, très facilement parce qu'ils ont attrapé très vite. Alors, il n'a pas brûlé beaucoup. Ouf! Ça aurait pu être dangereux tout ça! On va aller voir si les classes Madame Bridgen et Chantelle ont des questions, puis après on demandera sur YouTube. Allô, est-ce que vous avez une question maintenant? Allô, Windsor, encore! Oh, est-ce qu'on peut s'approcher du micro? Vous êtes un petit peu trop loin, on n'entend pas malheureusement. Oui, c'est ça. Est-ce que le premier feu que tu vis dans Person? Je pense qu'il a déjà posé celui-là. Quand était ton premier feu? En personne? Ça dépend si on parle des incendies ou de brûlage dirigé. Parce que j'ai vu mon premier incendie quand j'avais probablement 10 ans, 11 ans. Près de mes parents, il y avait un petit incendie qu'ils ont éteint assez vite. Brûlage dirigé, c'était beaucoup plus récemment. Amélie? Même chose, j'ai vu un brûlage dirigé il y a quelques mois, mais mon premier gros incendie, ça a été ici à Jasper au début des années 2000. Super, merci beaucoup à vous deux pour vos réponses. Vous savez plein de trucs. Et on va y aller avec la classe de Madame Chantelle, voir si vous avez une question. Allô? Bonjour. Avez-vous une question? Pose une question. Alors, pour vous parler plus proche du micro, s'il vous plaît. Si ce n'est pas de question, c'est correct aussi. On ne va pas vous mettre la pression. C'est bien correct. Ok. Viens, on ne te mangera pas, t'inquiète pas. Comment est-ce que tu peux contrôler le feu? Quelle méthode est-ce que tu peux utiliser? Ah, ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on peut contrôler le feu? En premier, les experts du feu, l'équipe, ils font beaucoup de recherches. Ils regardent le type de plantes qui poussent dans la région. Ils vont regarder c'est quoi la météo qui est prévue pour faire certain qu'ils n'allument pas un feu qui va sortir de contrôle. Il y a aussi des systèmes d'arrosage qui sont là, les pompiers. Et c'est vraiment, il faut faire beaucoup de formation avant de pouvoir allumer et créer des brûlages dirigés. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Amélie? Oh oui, je peux ajouter que
Pendant, comme Marianne expliquait pendant la présentation, un brûlage dirigé est toujours fait avec une prescription. Dans cette prescription aussi, on regarde, comme Marianne dit, la météo, la végétation, mais aussi le paysage. Est-ce qu'il y a une rivière ou est-ce qu'il y a une falaise qui pourrait aussi arrêter le feu si jamais le feu deviendrait hors contrôle? Tous ces éléments-là sont pris en considération lorsqu'on écrit la prescription pour un brûlage dirigé. Et c'est son, si on veut, le plan B, si on veut, si jamais les choses n'est qu'à pas aller comme on voudrait. On a toujours, on prend les éléments naturels et on les met à notre avantage comme la nature le ferait elle-même. Aussi, on peut aussi, on a toujours beaucoup d'amis à Parc Canada qui sont toujours prêts à nous aider si jamais il arrivait quelque chose. On peut toujours faire appel à nos amis. On a une grande équipe à Parc Canada partout au pays qui sont toujours prêts à intervenir et à venir nous aider. Super! Alors, la prochaine question que j'avais dans le chat YouTube était, est-ce que les animaux ont peur du feu? Oui, absolument. Les animaux ont peur du feu et ils ont bien raison d'avoir peur du feu. Mais ils sont aussi assez intelligents. Alors, quand on commence un brûlage dirigé, les animaux, d'habitude, ils peuvent sentir la fumée, ils peuvent sentir qu'il y a quelque chose qui change. Alors, ils s'enfuient. Alors, les oiseaux s'envolent, les grands animaux, ils s'en vont dans une autre région de la forêt. Et il y a aussi des petits animaux qui peuvent creuser sous le sol pour se mettre à l'abri du feu. Alors, ils savent comment se protéger. Hey, ils sont vraiment intelligents, les autres. Hein. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas qu'est-ce que les humains ils font, mais ils sont capables de réagir et de se protéger. Ils sont smart, là. La question suivante était, quand est-ce que les parcs nationaux ont été fondés? Quand est-ce que les parcs nationaux ont été fondés? C'était dans les années 1900. Au début, je ne suis pas bien avec les dates, mais c'était au début du 20e siècle au Canada. Fin 19, début 20e. Oui, puis je pense que ça se peut que ce soit comme au fur et à mesure qu'ils ont grandi, là, comme le concept de parcs nationaux est assez vieux, puis après, tu as des parcs qui, un par un, ont été créés différemment. Oui, en fait... Oui, le parc national Banff était le premier à être créé au Canada. Alors, c'est le plus vieux. Mais même de nos jours, on commence à créer de nouveaux parcs. On veut protéger autant que possible de notre nature, de notre culture. Alors, on continue à essayer d'ouvrir de nouveaux parcs et de protéger le Canada. Super. Et la dernière question, je pense que ça va être adressé aussi à Amélie. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Parc Canada? Alors, moi, ça fait 3 ans maintenant que je travaille pour Parc Canada. Et je suis très contente d'être ici. C'est vraiment cool de faire partie d'une équipe comme ça partout au pays et de pouvoir parler avec les gens comme vous des parcs et notre travail. Super. Est-ce que Amélie veut donner sa réponse à elle? Puis on va finir là-dessus. Après, on va devoir dire au revoir parce qu'il est l'heure. Vas-y, Amélie, depuis combien de temps à Parc Canada, toi? Oui, ça fait plus de 15 ans que je travaille pour Parc Canada. J'adore mon travail et puis j'ai la chance de rencontrer des gens ou de parler à des gens comme vous et de travailler avec des experts, des scientifiques, des biologistes. C'est très passionnant comme travail. Ça fait déjà plusieurs années et puis j'ai bien l'intention de continuer. Super! Ben, en tout cas, moi, c'est un vrai plaisir d'avoir rencontré Amélie aujourd'hui. Puis avec Marianne, c'est plusieurs fois qu'elle nous parle de différents sujets des parcs. C'est super intéressant. Puis normalement, on parle d'animaux, comme vraiment des animaux directement. Là, on a parlé d'animaux un peu indirectement. Et je trouve ça super intéressant. Et je pense qu'on a tous beaucoup appris sur le feu. Fait qu'un gros merci à Marianne pour la présentation et pour les questions. Puis à Amélie pour tes réponses aussi. C'était vraiment cool de vous voir. Et puis merci à toutes les classes qui se sont joints avec nous aujourd'hui. Oh. Oui, elles sont là, elles arrivent. Allô tout le monde, un grand merci à vous toutes et aussi au monde qui était avec nous sur YouTube. C'était vraiment cool de vous voir. Au revoir. Merci beaucoup. Puis,